Bonjour à tout le monde, je fais cette vidéo tout simplement pour vous faire un haul AliExpress. Oui, ça fait longtemps que on s'est pas vu, ça fait même très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, comment vous dire, entre le fait que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vous dirai ça plus tard, le fait que j'avais pas forcément envie, donc je suis désolée, je voulais pas faire des vidéos pour pas en avoir envie. Du coup, j'ai accumulé pas mal de choses. Il y a aussi le fait du travail qui me prend du temps aussi. Il y a plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous m'en excuserez et je vous dirai des petites nouvelles plus tard. Donc ça c'est un haul AliExpress, j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je me dépêche au plus vite. Pour commencer, je vais vous montrer deux coques que j'ai achetées. Donc une coque où c'est un flop et une coque où c'est un top. Voilà. Pour commencer, le flop. La coque hibou, qui est juste énorme. Comment vous dire que je ne me vois pas avec mon téléphone, avec une coque aussi grosse. Donc je suis dégoûtée. Il est très mignon, hein, le hibou, mais c'est trop gros. Donc voilà, mon portable loge dedans, mais parce que c'est fait comme ça en fait derrière. Mais c'est trop grand. Je trouve que c'est trop. Non, c'est trop. Et ensuite, une gros coup de cœur qui est le chat d'Alice au Pays des Merveilles, qui est comme ça. Qui est trop mignon, que j'adore plus que tout, qui loge bien sûr. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Moi, c'est un Samsung Galaxy Grand Prime. Donc voilà. Je continue avec un nettoyeur de pinceau qui est tout petit, hein. Je pense que c'est plus grand. Il est comme ceci. Donc en fait, vous avez une ventouse. Donc c'est bien, il se ventouse bien au lavabo pour pouvoir nettoyer vos pinceaux. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ils se vendent tous bien. Donc c'est plutôt une bonne. Voilà. Ils appellent ça une brush cleansing pad. Voilà. Je vous montre de plus près. Voilà. On continue avec un collier qui est juste très joli, que j'ai vu sur beaucoup de chaînes et que j'ai craqué. Bon, c'est assez spécial. Faut trouver la bonne tenue pour pouvoir le mettre, malheureusement. J'ai pas encore trouvé la bonne tenue. Il est comme ceci. Voilà. Vous voyez, il est magnifique. Il est juste sublime. Moi, je le mettrai plus en ras de cou. Donc, il est comme ceci. Je le trouve trop beau. Et je vous le conseille. Il est très bonne qualité. Il est noir mat. Très, très beau. Je ne vais pas non plus détailler trop les produits parce que sinon, ça va prendre une plombe. Je continue avec les boucles d'oreilles que je porte, qui sont des, comme vous le voyez bien, des attrape-rêves tout petits, en métal très très costaud. Vous n'allez pas vous inquiéter avec un fermoir en argent, enfin en faux argent. Donc franchement, nickel, j'adore, c'est trop joli. Et je vais vous montrer d'autres petits bijoux qui sont du même vendeur. Si j'arrive à les prendre parce que j'ai tellement de choses. Voilà, c'est tombé. J'ai pris également des petits. Ne faites pas attention à ma manicure. Hein. Ça s'est caillé. Des petites chouettes comme ceci que je suis pas trop fan. Et l'autre coup de cœur qui est ici. Qui sont des petits diamants. Vraiment, là, le métal est de très bonne qualité. Hein. Voilà, c'est des petits diamants. On continue avec un bracelet de très bonne qualité qui est d'un autre vendeur, hein, qui est comme ça. Ça ressemble aux Ipanema. Voilà. Moi, je le trouve juste sublime. Juste petit hic. Ici, il y a un petit défaut. Parce que vous voyez, il y a un strass qui est en moins. Il se clipse du tonnerre. Je trouve ça super joli. Enfin, il s'aimante parce que c'est des aimants. Excusez-moi, j'ai qu'une main. Hop. Et voilà ce que ça donne, c'est juste sublime avec le petit pompon, la petite perle. Et ça se ferme comme ça, avec le petit aimant. Franchement, nickel. J'ai rien à dire, vraiment, très bonne qualité. Je vous mettrai le lien parce qu'il est vraiment sublime ce bracelet. Voilà pour ce bracelet qui est très joli. Voilà. Hop, il s'enlève très très bien. Vous voyez derrière, c'est comme ça. Hop, voilà.
On continue avec des bijoux boutons, j'appellerais ça. J'ai vu ça sur une youtubeuse que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris une bague comme ça, donc je vais vous enlever le bouton, qui est comme ceci à la base et où vous mettez des boutons. Voilà. Donc je trouve ça super joli. Il y a aussi le bracelet qui est juste sublime. En fait, voilà. Je vais vous expliquer. À la base, il est comme ceci et tout simplement, vous le clipsez. Des fois, j'ai du mal à les mettre. Hop. Et voilà. Et en fait, moi, j'en ai pris plein pour pouvoir alterner selon mes tenues. Je vais vous montrer. Déjà, il y a les plus petits qui sont de taille, je ne sais plus combien. Oh, qui sont de cette taille-là que je vous ai montré. Donc, les tout petits. J'en ai pris pas mal, hein. Franchement, je vais essayer de vous le rapprocher. C'est tout ce qui est dans les tons argent. Il y a même un sapin de Noël, parce que j'avais pris en aléatoire, hein. Je vous montrerai, c'est un lot. Il est pas mal, parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi, parce que ça change, c'est vraiment un lot. Je vous montrerai. Je vous mettrai le lien. Je continue. Donc, en argent, il y a aussi celui-là, dans les tons argent. C'est moi qui les ai triés, hein. Et les cartons, c'est moi qui les ai commandés aussi. Hein. Les cartons, je vous mettrai les liens aussi. Pour pouvoir bien les voir dans mon armoire à bijoux. Ensuite, une autre. Dans les tons bleus. Très joli, franchement, j'aime beaucoup. On continue avec les petits, hein, parce que si je vous change avec les gros. Hein. Dans les tons rose et rouge. Plus de rose que de rouge. Voilà, trop beau. Dans les tons bleus. On continue avec des gros cette fois-ci. Donc là, il y en a certains que j'ai pris à part. Celui-là, je l'ai pris à part. Parce que je le voulais. Celui-là, je suis déçue. Je l'ai pris à part aussi, mais il n'est pas top. Voilà, je vous montre en grand. Ça, c'est aléatoire. Par contre, c'est un lot aléatoire. De toute façon, je mettrai tous les liens. Il y en a certains, je suis pas fan, hein, je vous avouerai. Voilà, ça c'est là autour. Aléatoire. C'est des lots, quoi. Je crois que c'est un lot de 15 ou un truc comme ça. Ensuite, il y a un des deux que j'ai pris tout seul. Je pense que c'était celui-là que j'ai pris à l'unité. Et celui-là était dans le lot encore. Mais... Vous voyez, vous avez tout, hein, même des araignées. Pour Halloween. Voilà, ça c'est dans les tons noirs. Et je crois que c'est tout. Voilà, je vais montrer tous les boutons à peu près. Il y en a d'autres. Il y a celui-là qui est magnifique, que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, bof. Et il y en a d'autres là, mais ils sont trop bizarres. J'aime pas trop. J'aime pas beaucoup celui-là. Je vous montre. C'est trop flashy pour moi. On continue, donc j'ai bien pris des supports, hein, bien sûr, sauf que j'ai quelques soucis avec ces supports-là, donc je vais pas vous les conseiller, hein, forcément. Enfin, si, non, je vais vous expliquer. J'ai pris des supports comme ça, en fait, pour mettre en bout d'oreille, pour changer avec, pour mettre les petites puces dedans, parce que ça se clipse, je vais vous montrer. Oui, donc ça c'est un, et ça se clipse très très bien. Et donc ça donnerait un style comme ça sur l'oreille. Ça fait des puces tout simplement. Sauf que ben, j'avais pas pensé. J'ai pris un lot et du coup ben, y en a aucun qui sont les mêmes. Donc d'un côté c'est bien, mais de l'autre j'avais pas pensé. Il faudrait les deux mêmes pour que ça fasse pas bête. Voilà. Donc du coup ben, il faut que je m'en rachète, mais pour que ce soit les mêmes quoi, que j'ai pas l'air bête. Mais sinon les supports sont très très bien. C'est des supports de puces. Pour les petits boutons. Ça, c'est encore pour un petit bouton, c'est une bague. Je suis pas trop fan, on va dire. Je vais vous la mettre à côté. Vous voyez. Et c'est les petits qui se clipsent dessus. Pour les gros, j'avais pris un bracelet. Donc en fait, moi, je préfère les bracelets en gros, comme ça. Je les clipse dessus et je peux changer à tout moment. Donc voilà. Voilà pour les petits boutons. Il y avait beaucoup de boutons, hein, pour boutons bijoux, j'appellerais ça, pour ces commandes AliExpress.
J'ai peut-être oublié certaines choses, tout simplement parce que j'ai entassé, j'ai peut-être mis un peu partout et je les retrouve pas forcément, donc je m'en excuse si j'en ai oublié. De toute façon, les liens que j'ai oubliés, je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça, alors cliquez bien sur les liens pour pouvoir voir tout simplement les produits. Bon, il y a des produits qui ont pris plus de temps que d'autres. D'autres produits ont pris moins de temps que d'autres. Il y a encore un produit que j'attends depuis perpète, que dès que je le recevrai, je vous le montrerai. D'ailleurs, c'était celui-là que j'attendais le plus et que je n'ai pas eu. Comme d'habitude, ça arrive très très souvent. Donc, je vais attendre pour le recevoir. Il n'a rien dit. Qui était ici, hop, voilà. Je m'excuse de l'humanosité. J'arrive plus à parler parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, je parle depuis 10 minutes. Donc, franchement, j'espère que vous serez content que je revienne sur YouTube. Je ferai certaines vidéos parce que j'ai eu pas mal de hauls à vous montrer, des produits que j'ai achetés, des produits que voilà. Il y a des produits que j'ai pris que je pourrais vous montrer. Il va falloir que je les trouve parce que j'en ai mis partout. Voilà, mais pour AliExpress, je pense que c'est bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Si vous ne me voyez pas dans un mois, c'est que bon, pas trop eu le temps. Du coup, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. J'ai pas dit que j'allais finir ma chaîne, hein, c'est pas du tout ça. Je vais pas du tout arrêter la chaîne, mais je vais peut-être être moins souvent là et je vous donnerai les raisons, bien sûr. Parce que pour l'instant, je peux pas trop vous le dire. Les raisons, enfin, je préfère attendre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.